Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui l'Irfouat Avraham ben Chana Chava, Suira Chantal Dina Bat Pouria, Fraji ben Chana Betoch, Shav Chole Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Et nous étudions Baba Batra Perek Aleph Mishnah Dalet. Kotel Chatser Shenafal, Mechaivin Oto Livnoto Ad Arba Amut. Bechezkat Shenatan Ad Sheyavi Reaya Shelo Natan. מארבע אמות ולמעלה, אין מחייבין אותו. שמח לו כותל אחר, אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, מגלגלין עליו את הכל, בחזקת שלא נתן, עד שיביא ראיה שנתן. On continue avec les lois des Shchénim. Mais je vous annonce tout de suite, il y a une difficulté à présenter cette Mishnah dans la mesure où cette Mishnah va entremêler constamment des halachot de Shchénim et des halachot de Tohen Venitan. D'un côté, les devoirs, les engagements d'un voisin envers l'autre, et à chaque fois, c'est-à-dire à deux reprises, la Mishnah va nous prendre ensuite cette situation et la transformer, la traduire maintenant en justice avec les lois de Tohen Venitan, le plaignant et l'accusé, à qui donner raison lorsque deux personnes se tapent dessus au tribunal. Enfin, pour alléger la présentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire cette Mishnah en sautant sans arrêt une phrase. On va faire une Mishnah gruyère. On va lire une phrase, on va sauter un petit bout, on lit encore un petit morceau, et puis après on saute la suite, et puis après on revient, on complète les trous, d'accord? Excusez-moi, mais c'est tout simplement plus facile à faire comme ça. Regardez. Kotel Chatser Shenafal. Une situation, deux cas de figure. Pour chaque cas de figure, un cas a priori, le devoir de chacun, et un cas a posteriori, lorsque quelqu'un a une mauvaise foi, il y a ici un quiproquo, qui a payé, qui n'a pas payé. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Kotel Chatser Shenafal. Il avait un mur qui s'est effondré. Mechaivin oto livnoto ad arba amot. On lui impose de le reconstruire jusqu'à 4 amot, 4 coudées. On saute cette phrase, on la lit sans la traduire. Becheskat Shenatan ad shaviraya shelo natan. On en parlera. Ensuite, la Mishnah continue et nous dit par contre. Mais arba amot ul mala en mechaivin oto. À partir de 4 amot. Et au-delà, on ne lui impose pas de le construire. De quoi parle-t-on? C'est très simple. On parle qu'il y avait deux voisins qui avaient un mur bien haut construit entre les deux. Un mur de 6 amot, 10 amot, 5 mètres, 15 mètres, Alcatraz. Personne ne pouvait voir chez l'autre ce qui se passait d'aucune manière, même s'il montait sur une échelle, même s'il grimpait sur les arbres chez lui. Il ne pouvait pas aller voir ce qui se passait chez l'autre. Ça, c'était la situation initiale. Après 20 ans, 30 ans, le mur s'effondre. Un voisin vient voir l'autre et lui dit « Hey, faut qu'on construise le mur. » L'autre, pour X ou Y raison, il n'a pas envie de reconstruire, il n'a pas d'argent, il ne voit pas d'intérêt, c'est pas la peine, on n'a rien à se cacher. Et ils vont donc au Beth Din. Alors on va lui dire, tout simplement, ils vont chez le Rav va leur dire « Écoute, il y a un Ezek Reiya Shme Ezek, étant donné que regarder chez le voisin, ça s'appelle lui causer un dommage, comme ce qu'on a appris maintenant depuis les deux premières Mishnayot. De ce fait, tu as le devoir de reconstruire le mur. Alors maintenant, la Mishnah va nous dire, d'abord tu as un devoir de construire le mur. Mais attention, tu n'as le devoir de construire le mur que jusqu'à 4 amot. 4 coudées, qui font l'équivalent de 2 mètres plus ou moins, c'est la norme acceptée pour qu'on ne voie pas franchement ce qui se passe chez le voisin. Au-delà, c'est vrai que les petits vicieux, ils peuvent s'amuser à grimper sur une échelle, mais de toute façon, ils peuvent se faire aussi attraper. Et puis, ça va quoi, on fixe une limite que tu as le devoir de construire jusqu'à 4 amot et pas de plus. Donc, concrètement, donc, on répète, il y avait un mur initialement de 5 mètres, le mur s'effondre. L'un impose à l'autre de reconstruire le mur, mais il ne peut lui imposer que jusqu'à 4 amot et pas plus. Il ne pourra pas lui imposer de reconstruire un mur plus haut. C'est clair? Ça, c'était la première situation, c'est-à-dire le cas général, c'est le mur qui s'est reconstruit. Et la première situation, c'est d'abord combien on lui impose de reconstruire jusqu'à 4 amot. On continue la Mishnah et on ne bouge toujours pas le petit trou. Ça marche le côté l'acher. S'il lui a construit ensuite un mur en face, afalpichelo natana la vetatikra, même s'il n'a pas encore posé les poutres du toit, mais galgelina la vetakol, on lui retournera sur lui tous les frais. Et on s'arrête là de nouveau. Et on explique de quoi on parle. On parle que cette fois-ci, donc, il y avait les deux voisins.
qui avait un mur de 6 mètres initialement. Ils sont partis se battre au Beddin. Le Beddin lui dit, oh, écoute, tu construis que jusqu'à 4 hameaux de 2 mètres et le reste, tu le fais pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le voisin qui voulait absolument construire le mur, il a cassé la tirelire et il a tout repayé de sa poche. C'est-à-dire, pour les deux premiers mètres, les 4 premières hameaux, ils ont fait moitié-moitié. Et les, je sais plus où j'en étais, on avait parlé de 5, de 10 hameaux, donc les 6 hameaux supplémentaires, c'est lui qui a tout payé tout seul. La Mishnah vient maintenant, il nous enseigne un cas particulier. Une situation particulière, ça a évolué depuis. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça change rien au problème. On a le voisin qui voulait pas participer avec le mur. D'un coup, on l'attrape en train de construire un mur en face. Ah, il construit un mur, qu'est-ce qu'il va faire avec ce mur? C'est simple. Il va mettre des poutres et il va en faire ici une petite maison. Il va finalement se servir du mur qui est au-dessus. Or, vous vous rappelez de la Mishnah d'hier qu'on apprenait le fameux principe Zenehene Vezelo Chaser Chayav. Tirer un profit de quelqu'un d'autre, qu'un profit qui est en théorie monnayable, alors ça m'impose de le payer lorsque je le paye. C'est-à-dire, si mon voisin il a de toute façon construit son mur, et ça fait déjà 5 ans et 10 ans même qu'il a déjà construit son mur, et moi je n'ai pas voulu au début participer aux frais, si après 10 ans je décide finalement de construire un mur en face, pour ensuite utiliser le mur, finalement, concrètement, après 10 ans, je décide que je vais exploiter ce mur, je vais l'utiliser. Mais Galgelin à la Vetakol, on va me demander maintenant de tout payer, de participer rétroactivement à la moitié de la construction du mur des 6 amot, 6 coudées supplémentaires que je n'avais pas voulu initialement participer. Le principe est clair. C'est de manière générale, on entend souvent des gens qui disent « Mais quoi, qu'est-ce que ça lui coûte ? De toute façon, il a dépensé de l'argent. » Ouais, mais mon ami, ouais, ça peut être fréquent, par exemple, je sais pas moi, j'ai des voisins, par exemple, ils ont le cas, il y en a un qui a élargi sa maison, et il a au-dessus, maintenant, un potentiel de joli balcon pour le voisin du dessus. Après 10 ans, le voisin du dessus demande au voisin du dessous, tu veux bien me laisser exploiter, utiliser, je sais pas moi, étendre ma lessive là-bas sur ce toit. L'autre d'en dessous, il lui dit tout clairement, il lui dit, écoute mon ami, si tu veux exploiter, tu payes. Il y a ici des frais de fondation, des frais de mur et tout ça. Tu m'allonges 10 000 dollars, au moins, c'est ce que ça peut coûter, un balcon, une terrasse de 20 mètres carrés. Tu me les allonges. Et sinon, tu ne mets pas séché, même une figue, tu ne la mets pas séché au-dessus du toit. D'accord? C'est quelque chose qui est monnayable, c'est quelque chose qu'on paye. Si j'étais pas là, j'ai eu ici, pire que ça, il y a même un tsad. Il y a une éventualité dans la Gemara qui s'appelle Mikhlal, qui s'appelle Zenene Veze Chaser. J'ai eu une dépense d'argent. En tout cas, c'est un profit sur lequel on tire de l'argent d'élargir sa maison. Tu veux profiter, tu payes, il y a un prix. Ne commence pas à me dire, ah, Midat Sodom, ou je sais pas quoi, ouais, tu te conduis comme à Sodome et Gomorre. Non, c'est pas vrai, c'est toi, Sodome et Gomorre, c'est toi qui veux pas me payer, ça va pas, non. Je suis pas un pigeon, tout simplement. Le principe est clair. De ce fait, la Mishnah maintenant nous enseigne et nous dit, maintenant, on a eu le voisin, donc le premier voisin qui a remonté le mur jusqu'à 10 amot tout seul, à ses frais. Juste dans les 4 premières amot, ils étaient moitié-moitié. Pour la suite, on le sait tous très bien, le voisin n'a pas voulu payer. On se souvient tous de toutes les histoires qu'il y a eu, jusqu'à la fin on a vu qu'il avait dépensé tout seul les frais du mur. Si après 10 ans, on remarque que le voisin s'apprête, regardez, même la Mishnah insiste à nous dire, même s'il n'a pas encore concrètement commencé à exploiter le mur d'en face, il a simplement montré son intention de vouloir en tirer un profit, ça rejoint une notion qu'on a, je ne veux pas rallonger le cours, mais ça rejoint une notion qu'on a déjà introduite dans la Mishnah d'hier. Dès qu'il a uniquement montré qu'il accepte, qu'il a envie de prendre le profit et d'en tirer un profit, alors là, Megalgalin à la Vetakol, on lui fera tout payer, participer pleinement la moitié des frais de la construction du mur pour les 6 amot supplémentaires. Voilà la Mishnah par rapport aux lois du voisinage. Maintenant, la Mishnah va nous enseigner maintenant un nouveau principe, un nouveau cas de figure maintenant à l'intérieur de ça, lorsqu'a priori, a posteriori maintenant, on se retrouve au Beit Din et tout le monde sait très bien qu'il y avait le premier voisin, que c'est lui qui a dépensé l'argent, c'est lui qui a stimulé l'autre à payer. Et on ne sait pas est-ce que l'autre il a payé ou pas. L'autre affirme qu'il a donné sa part, et lui il dit pas du tout, tu n'as pas payé ta part. À qui donne-t-on raison? C'est un cas pur de Ilchot Tohen Venitan. On va illustrer ça avec deux voisins, on va parler avec des gens, maintenant c'est plus facile. Reuven et Shimon, c'est nos chers amis, quand on étudie Baba Kama, Baba Messie, Baba Batra, ils sont toujours là constamment. Reuven et Shimon, Reuven c'est lui qui a voulu construire le mur, Shimon c'est celui qui a fait la mauvaise foi. On va d'abord commencer avec la partie du mur jusqu'à 4 amot. Reuven est parti voir Shimon, il lui dit « Tu dois participer avec moi ». Et Shimon, il a été de mauvaise foi.
Il a dit non, je ne veux pas payer. Et je ne payerai pas même. On a même insisté en disant qu'il a dit je ne payerai pas. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que finalement, il a réussi à la modouer ou non? On a vu pour le moment Réhouven prendre contact avec des architectes, des Kabbalanim. Ils sont venus, ils ont des maçons, ils sont venus, ils ont construit le mur. Le mur se finit. On voit Réhouven sortir l'argent de sa poche et payer le maçon. Le maçon rentre chez lui. Et puis ensuite, il va taper à la porte de Shimon et lui dit « Bon, maintenant, tu me donnes mon argent. » Et Shimon, il dit « Quoi? Je te donne l'argent. Mais je t'ai déjà donné l'argent. Quand tu as donné l'argent, là, ce que tu as donné au maçon, la moitié de l'argent, c'est moi qui te l'avais donné. J'étais venu il y a 3 jours en arrière, dans la nuit juste avant, je suis venu, je te l'ai donné l'argent. » Et l'autre dit « Menteur. On se rappelle tous comment tu n'as pas voulu participer avec moi. Et moi, je me suis tué et je me suis dit « Bon, déjà, on va construire le mur, on dit « Je vais Ils vont au Beth Din et on cherche à savoir qui a raison. La Mishnah nous enseigne Shimon a gain de cause. Et là, pour expliquer la Mishnah, il va falloir introduire une notion de Chazaka. Chazaka, c'est un moussag, un concept que vous avez probablement déjà tous entendu. Toute la Torah elle se fonde sur les Chazakot. Dans chaque situation, particulièrement dans les dîners Chochet Mishpat, dans chaque situation, on cherche à définir la logique simple, sans compliquer l'histoire, où elle se trouve, jusqu'à preuve du contraire, afin de définir à qui incombera le devoir d'apporter des preuves. Deux personnes viennent et se tapent dessus. Un, il dit « Tu me dois, tu me dois pas, on se dispute, on va commencer à dire « Oh, calmez-vous, on va voir d'abord, on va voir où se trouve l'argent. » C'est un point très important, c'est ce qu'on appelait « Mourzak ». Mais il y a aussi des fois d'autres considérations, ce qu'on appelle des « Chazakot ». Est-ce qu'il y a une certaine logique aux choses? Comment les interpréter? Il y a plusieurs manières, c'est très complexe, dans la Gemara à définir, il y a des tosotim, mais dans la Halakha c'est très vaste, c'est un sujet que il faut vraiment beaucoup d'expérience pour pouvoir aborder ces sujets et se frayer un chemin à l'intérieur. Mais en tout cas, le principe, on va définir où se trouve l'argent, on va définir qu'est-ce que la logique pure dit jusqu'à preuve du contraire. C'est aussi une notion, c'est ce qu'on va appeler une chazaka. Jusqu'à preuve du contraire, les choses se sont déroulées de cette manière. C'est une chazaka. Alors là, la Mishnah va nous dire, dans le cas où lui a un devoir de me payer, il est Bechezkat chez Nathan. On supposera qu'il a donné son argent. C'est vrai qu'il a été de mauvaise foi au début, mais finalement, je fausse un petit peu la Mishnah, mais c'est pas grave. C'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai ce que je vous dis, mais c'est pas grave. D'abord, j'ai introduit la notion générale. Même s'il avait peut-être été de mauvaise foi au début, peut-être que finalement, il a réussi à l'amadouer. Et finalement, il est venu la payer sa part, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas parce que Réhouven a dit « tu me dois » que Shimon lui doit concrètement, puisque Shimon affirme qu'il a déjà payé sa part. Je vous dis pas encore en quoi je vous ai faussé. Je vous dis pas. Ce que je vous ai dit, c'est juste, c'est rapporté dans le roche. Le partenaire n'explique pas comme ça, c'est un petit détail. On le verra ensuite, on le fera le partenaire. Maintenant, ça c'était pour le premier cas de la Mishnah. Maintenant, on va passer au deuxième cas de la Mishnah. Vous vous rappelez toujours du cas? Il a construit, Réhouven a construit le mur, il a élevé jusqu'à 10 amot, et donc Shimon n'avait participé que jusqu'à 4 amot, et finalement après 10 ans, on remarque que Shimon construit un mur en face, s'apprête à exploiter le mur. Donc la Mishnah lui dit, Shimon, tu as le devoir maintenant de payer plein pot, tu payes la moitié des frais que ça coûtait de construire le mur de 10 amot. Supposons maintenant que Shimon se met à prétendre, il dit, mais je t'ai payé avant de construire le mur en face. Je suis venu te voir et je t'ai allongé, je t'ai donné une belle enveloppe. Personne n'a bien sûr de preuves à l'appui. Et la question est de savoir qui a raison. D'un côté, Shimon, il est ce qu'on appelle Mourzak, c'est lui qui détient l'argent. Et Réhouven, il lui dit, donne-moi l'argent. Et Shimon lui dit, non, l'argent, je te l'ai déjà donné, donc tu veux maintenant, tu me demandes que je te donne un autre argent que j'ai dans ma poche. Ah, Motsi Mechavaria, c'est toi qui dois me prouver. La Mishnah vient de dire, ben non, cette fois-ci ce sera Réhouven qui aura gain de cause. C'est ce que la Mishnah nous dit dans la deuxième partie de la Mishnah. Bechezkat shelo natan. On interprétera, on expliquera qu'il n'a pas encore donné sa part. Achiaviraya shenatan. Jusqu'à qu'il nous prouve qu'il a effectivement donné sa part. Pourquoi? La raison elle est simple. Étant donné que cette halakha là, que exploiter même après 1 an, 2 ans, 10 ans, le fait de dévoiler l'intention que l'on s'apprête à exploiter le mur, que cela m'impose de maintenant de payer tous les frais du mur, c'est une halakha peu connue. Trop peu connue au point où
Au point où, lorsque Shimon va affirmer qu'elle a déjà payé sa part, on va pas le croire, on va lui dire, t'as payé ta part, mais t'es fou quoi. Tu vas pas distribuer ton argent gratuitement. Ne commence pas à nous raconter que tu connais l'halakha. C'est une halakha que personne ne connaît. Qu'en général, les gens simples, qui n'étudient pas la Torah profondément, ne se connaissent pas cette halakha. Ne commence pas à me dire que t'as déjà payé. Tu savais même pas que t'avais un devoir de payer. Faut même pousser la réflexion un petit peu plus loin et dire, et si tu affirmes que tu as écouté le cours de Mishnayot, du 5 minutes éternel, et que tu sais qu'il faut payer, alors tu sais aussi que maintenant, parce que c'est un cas tellement rare, c'est à toi d'assurer tes arrières et de rapporter une preuve que tu as payé. De ce fait, tu ne seras pas cru que tu as payé. Principe est clair. Allez, on va relire maintenant toute la Mishnah d'un trait et l'expliquer, et après on attaque le Barthénois avec sa chaîne. Côté le Khatser Shenafal, un mur entre deux voisins qui s'effondre. Et qui, on parle d'un mur qui était très haut, plus que 10 amot. Mais on imposera un voisin pourra imposer à l'autre à le reconstruire jusqu'à au moins 4 amot. Pas 10, mais 4. Payer la moitié des frais. Par rapport à cette moitié-là, Becheskat chez Nathan, on interprétera, on supposera qu'il a déjà payé sa part. Hachi Aviraya chez Nathan, jusqu'à ce que l'autre qui a assuré les frais, Reuven, qui a tout payé de sa poche, à lui de prouver que Shimon n'a pas encore participé aux frais. C'est sur ça qu'il y a une petite discussion avec le Barthénora, le Roche, le Tosotium Tov, ici, il se rapportait. Comment prouver qu'il n'a pas payé sa part? Qu'est-ce qu'il devra faire? Est-ce que ça suffit de prouver qu'elle était de mauvaise foi et qu'il a dit « En aucun cas, je te payerai ». C'est l'avis du Barthénora. Et le Roche dit que non, en réalité, il faut beaucoup plus que ça. Il faut qu'il donne une date, par exemple. Qui donne une date qu'il a donnée à telle date et qu'on va lui prouver que non, à cette date-là, tu étais encore en train de dire que tu n'allais pas payer. Donc tu es un menteur. D'accord ? C'est un petit détail. Et on continue la Mishnah. De 4 amot et au-delà, au-dessus de 4 amot, on ne lui imposera pas de participer. Par contre, Samachlo kotel l'affaire. Si plus tard il a Samachlo, il a appuyé sur lui, c'est-à-dire il s'apprête à exploiter ce mur-là, par l'intermédiaire d'un autre mur, c'est-à-dire qu'à proximité, il a construit un mur en face de lui. Bien qu'il n'a pas encore posé les poutres du plafond, on lui dira, ça y est, tu nous as dévoilé ton intention, que tu veux profiter du mur, et tu dois tout payer. On lui retournera tout contre lui, la moitié des frais de la construction du mur de 10 amot. Bechezkat shelonatan. Et on supposera qu'il n'a pas payé sa part jusqu'à que lui, Shimon, amène une preuve qu'il a effectivement déjà payé. Et on a fini la Mishnah en présentant le Barthénora. Kotel Khatser Shel Shutafim, un mur d'une cour qui appartenait à des voisins, à des Shutafim, des associés, des voisins. Adarba Amot, on lui imposera de le construire jusqu'à 4 Amot. Pourquoi 4 Amot? Debahi Sagelei Le Ezek Reiya. Car ça suffit 4 amot pour enlever le Ezek Reiya, le fait qu'on cause un dommage par le simple fait qu'on regarde chez le voisin. On l'empêche d'exploiter, de vivre à l'aise chez lui. Mais Chezkat chez Nathan, on supposera qu'il a déjà donné, lorsque celui qui a assuré toute la construction et les frais vient et réclame la moitié des frais de son voisin. Et l'autre prétend qu'il a déjà donné sa part. Ne'eman il sera cru. Jusqu'à ce que le plaignant amène des témoins qu'il lui a réclamé. Et l'autre il a refusé catégoriquement de payer sa part. Pourquoi maintenant cette fois-ci il est cru d'affirmer qu'il a malgré tout. Pourquoi il est cru d'affirmer qu'il a tout payé. Des mishpatze galou il a kol. C'est par opposition au dernier cas de la Mishnah, en fait, que le Barthénois rajoute cette phrase. Des mishpatze galou il a kol chez Chova alav lesayo. Parce que cette halakha, elle est connue aux yeux de tous qu'il a un devoir de l'aider de participer au vrai. Velo ayaze bonehu michelo et la ayam evio le betedin. Et il est évident que Reuven n'aurait pas construit ce mur si l'autre s'y opposait, sans qu'il le traduise en justice. Ça marche le côté l'après, hein. On s'apporte maintenant au cas de la Seifa, le dernier cas où Reuven a construit le mur tout seul plus haut, et qu'après quelques temps, l'autre a construit le mur en face, à proximité. Après que le premier a construit le mur à plus que 4 amot,
Ouais, mais Abraham Amot Rabbe, il a construit plus haut, beaucoup plus haut que Katamot. Velo Ratzal essayer au Beagbato. Et Shimon n'a pas voulu l'aider dans tout, à le surélever ce mur. Samach Hasheni Kotel Acher, Keneged Kotel Ze. Plus tard, le deuxième, donc Shimon, a finalement construit un mur en face, Keneged Kotel Ze, face à ce mur. Kedel Esaker, la tête Tikra Mikotel Lekotel, afin de mettre ensuite des poutres. On constate qu'il prévoyait de mettre des poutres d'un mur à l'autre pour en faire un toit. Mais côté les côtés d'un mur à l'autre, même s'il n'a pas encore concrètement posé le plafond, malgré tout, on lui retournera tout sur lui. Car à présent, il nous a dévoilé, il nous a montré ses cartes, il nous a montré qu'il est très intéressé en fait par le fait que l'autre a élevé un mur aussi haut et donc il devra payer. Et Becheskat Shelo Nathan, et on supposera qu'il n'a toujours pas payé sa part, Imba Rishon Vetva Oledin, si le premier Réhouven vient et Vetva Oledin, et il le réclame au Beddin de payer. La Charche Samach et Kotlo, les Kotel Rishon, après que Shimon a déjà construit le mur en face, va Omer Lo, et lui dit, Ten Chelkecha Bemashek Bati Oto, donne-moi maintenant ta part sur le fait que j'ai construit ce mur aussi haut. Les hommes en attendent Tichelki. L'autre dit, mais j'ai déjà payé ma part. Et non, Neheman el Abedim. Il ne sera cru que qu'en apportant des témoins. Chez Ed Mishpat Ze Galoui. Car cette loi n'est pas réputée, n'est pas connue de tous. Vead Shechivu Bet Din. Et non, Asuiliten. Et de ce fait, puisque cette loi n'est pas connue, donc il n'y a aucune raison de supposer que tu as payé l'argent que tu pensais que tu étais dispensé de le payer, tant que le Bet Din ne te l'a pas imposé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.